YouTube, ça dit quoi les gars? On se met à Paris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, là, je vais pas vous mentir, c'est compliqué. Mais avant ça, j'ai activé les subscriptions. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, je mettrai le lien en description. Donc c'est 4,99€, vous pourrez soutenir la chaîne, avoir des petites vidéos en avance. Et si vous me demandez des vidéos à faire, j'en ferai avec plaisir. Ça devient très 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 chaud pour les playoffs. Ok, je mets cette vidéo que vous pouvez regarder en même temps, parce qu'on est un petit peu tout au fond de la nuit. En fait, là, ça commence à devenir très très chaud pour les playoffs, parce que déjà, c'est sur nous pour les Clippers. Hey! Pour nous, les Clippers, on va jouer. Sans élan. Nous, les Clippers, on va jouer Dallas. Les gars, je vais pas vous mentir, je suis inquiet. Hein. Ouh, Trae Young est de retour. Je vais pas vous mentir, les gars, je suis inquiet. Hein. En fait, le truc, c'est que. Ah, Doncic nous pas! En fait, Doncic et Luka, c'est. Par exemple, les Suns. Je crains moins les Suns que Dallas. Genre, les Suns, je sais qu'on les tape, genre, les bousille. Mais là, Kawhi, il revient pas. Je sais pas, on sait pas s'il est vraiment blessé ou s'il est pas blessé. Là, on va jouer Dallas. Dallas, ils sont relous. Doncic et Kyrie. Vu qu'on n'a pas. Si on n'a pas Kawhi, qui va défendre sur Doncic? Paul George, ça va l'épuiser. Et qui va défendre sur Irving? Harden? C'est mort. Terrence Mann peut-être. Mais il va se faire cook. Ça, c'est. Si on n'a pas Kawhi, c'est chaud. Ah, non, on va aller voir le classement. On va aller voir le classement. Je prends mon boulette. Ok, donc voyons voir le classement. Ok, d'abord le classement. Boston, on s'en fout de l'Est. Hein. L'Est, on n'a rien à foutre, ça pue la merde. Nous, on s'occupe que de l'Ouest. Donc Denver, ils vont être premiers sûrs. Ils peuvent peut-être se faire attraper par Minnesota ou pas, je sais pas. Mais bon, ça. Ah ouais, j'avoue, ouais, ils sont qu'à une défaite, les trois équipes. Hein. En vrai, ils peuvent. Peuvent se rattraper. Les trois équipes peuvent se rattraper. Mais je sais pas ce qu'il y a le tie-break. C'est quoi ça? Donc là, il leur reste quoi? Denver, il leur reste San Antonio et Memphis. S'ils veulent vraiment les gagner, les deux matchs, ils les gagneront, ça c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'ils veulent être de la première place? Parce que la première place, ça veut dire que tu joueras Golden State ou les Lakers. En fait, c'est pour ça. Donc, est-ce que les Nuggets, ils veulent le premier seed? En tout cas, je sais que le Thunder, ils veulent pas le premier seed. Ça c'est sûr! Le Thunder, ils veulent pas de la première place. Ça c'est sûr et certain, frérot. Et même les Timberwolves, je pense pas qu'ils veulent de la première place. Parce que la première place, ça veut dire que tu vas jouer les Lakers ou Golden State. Non, non, non. Never mind. Non, non, non. Justement. Loser, ok. Ok, donc, en fait, entre le 9e et 10e, celui qui perd, il est dehors, c'est ça? Si j'ai bien compris. Et le loser de ce match-là, il joue là. Ou c'est fini pour lui? Ah non, non, le perdant de ce match-là, c'est fini? S'il y a combien de places? Attendez, excusez-moi les gars. Là, il y a combien de places? Attends. Ok, 8 seed, 7 seed. Ok, donc celui qui gagne ce match-là, il va directement au 7 seed. Celui qui perd, il va là. Celui qui perd ce match-là, il est éliminé direct. Et après, le gagnant de celui-là et celui-là, il gagne. Ok. Pour le 8 seed. Ok. Ok. Winner 9-10, loser 7. Ok, donc, admettons que là, les Warriors. Ouh là là, ça va être chaud. Ouh. Ouh. En fait, il faut que. Ouh, non, 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 ça va être chaud. Parce que je pense que les Suns, ils vont gagner. Donc, ils vont prendre le 7 seed. Ils vont sortir les Timberwolves. Donc, Warriors Lakers. Oh là 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 là, ça va être un movie. Un movie. Nous on joue les Mavericks. Attends, mais les Pelicans, ils peuvent sortir. Non. Sixième, les septièmes, ils sont quand même. Ah, mais les Suns, ils peuvent encore attraper les Pelicans, hein. Hein, les gars. Les Suns, ils peuvent encore attraper les Pelicans. 48-32, 47-33. Il lui reste quoi comme match, les Pelicans? Lakers, oula. Il leur reste Golden State et Lakers. Ouh. Ouf. Eh, mais les derniers matchs, ça va être la guerre! Moi, je dis que les Pelicans, ils vont faire 0-2. Donc, ils vont faire 0-2, ils vont descendre. Si les Pelicans font 0-2,
Ils descendent à. Ils finissent à 48-34. Et si les Phoenix gagnent les deux matchs. Pourquoi ça bug? 48-34. Phoenix gagne les deux matchs. Si, fini... Ah, Sacramento et. Ah, je sais pas. Mais disons qu'ils gagnent les deux matchs. Ils finissent à 49-33. Donc ils prennent la sixième place. Donc ils prennent la sixième place et Pelicans ils prennent la septième place. Ouais, c'est faisable, hein. C'est faisable. Franchement, c'est faisable. C'est faisable. Moi, je pense que les Phoenix ils vont prendre la sixième place et du coup ils vont jouer Oklahoma City au premier tour, ils vont les sortir et les Pelicans ils vont jouer, ils vont les Pelicans ils vont jouer septième place contre Sacramento. Faut que Golden State ou les Lakers réussissent à prendre le 8 seed. Comme ça, les Lakers et les Warriors y passent en playoff. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut qu'ils réussissent à prendre le 8 seed là. Parce que là, ils vont se jouer au play-in, donc c'est mort si les deux sont à 45-35. Donc faut que Golden State leur reste quoi comme match? Il leur reste New Orleans et Utah. Ouais, ils vont gagner les deux. Ils vont gagner les deux. Et Sacramento, il leur reste quoi comme match? Portland, ah, ils vont gagner Portland, ils vont perdre Phoenix. Donc ça veut dire, ils se prennent à combien? Ouais, les Warriors, ils vont passer devant, je pense. Les Warriors vont passer devant. Ouais. Les Warriors et les Lakers. Lakers Memphis, Lakers New Orleans. Ouais. Même les Lakers, ils vont. Ah, ils auraient pas dû perdre contre Golden State. Ouais. Non, les Lakers, ils peuvent. Dans la stuff. En fait, les Lakers ou les Warriors, ils vont être devant Sacramento, je pense. Donc ça va, les deux équipes pourront aller en playoff. Ok. Donc, voilà, je vais dire mes prédictions. Hein. Mes prédictions, c'est quoi? C'est Nuggets. On va dire 8 seed Warriors. Ok. Clippers Mavs. Thunder Phoenix. Timberwolves Lakers. Ça va être ça, mes prédictions. Ok, donc Nuggets, Warriors, Clippers, Mavs, Thunder, Phoenix et Timberwolves, Lakers. Donc premier tour, je vois Nuggets, Warriors, je vois les Nuggets passer. Deuxième tour, Clippers, Mavericks, je vois les Clippers passer. 4-1, 4-2, max. Thunder, Lakers ou Warriors, peu importe, je vois dans tous les cas, je vois. Ah non, Thunder, Phoenix, pardon, c'est Phoenix qui passe. Et Timberwolves Lakers, si c'est les Lakers, je vois les Lakers passer. Donc ça fera demi-finale de conférence. Phoenix Lakers et Clippers Nuggets. Ouh! Ah! Bien sûr, je vois les Clippers passer contre les Nuggets à 4-3. Si je vois Phoenix Lakers, je vois Phoenix passer. Et finale de conférence, Phoenix Clippers. Let's go! Mais bon, à l'Est, j'en ai rien à foutre de l'Est. Ça m'importe peu ce qui se passe à l'Est, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Il nous reste quoi comme match, nous? Les Clippers. De toute façon, on met tout le monde au repos. Hein. Vous avez vu contre Phoenix, on a fait le match, on a fait un back-to-back contre Phoenix, il n'y avait personne. Bon Allen, il a fait 37 points et tout. Donc là, il veut mettre tout le monde au repos. Mais est-ce que Kawhi il revient? C'est ça la question. Donc là, il nous reste deux matchs, Utah, et on va perdre les deux sûrement. Mais attends, faut pas qu'on perde trop de matchs parce que sinon, on perd l'avantage du terrain, je crois. Attendez. Ouais, parce qu'on peut perdre l'avantage du terrain. On a deux victoires. Non, on a une victoire de plus. Non, 50-30. Non, on a deux victoires de plus. Ouais, en plus, on a le tie-break. Ouais, c'est bon. Donc, c'est bon. Dans tous les cas, on finira quatrième. Ouais, donc on peut reposer les gars. Et je pense que les Mavericks, ils feront de même. Ils ont gagné contre Dallas. Ils ont fait jouer tout le monde ou pas? Ils ont gagné contre Miami. Ils ont fait jouer tout le monde. Ah, ça va être une punaise de série, frère. Ils ont fait jouer tout le monde, ouais. Ouais, ça va être une vraie série, les gars. Franchement, ça va être une vraie série. Je regardais Kawhi, Leonard Update.
Bah ouais frère, on sait même pas ce qu'il va jouer. Ouais, ça fait 7 matchs qu'il a raté. Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo, like, commentaire, abonnez-vous. I'm out.